Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Ah, attendez, ça s'est remalmi. Comment ça? Ça l'était bien tout à l'heure. À moins que je l'avais mis sur... Ah non, ok. Je sais pourquoi ça s'est mal mis. Réglage, je sais pas pourquoi ici il se met comme ça. J'ai remarqué en fait quand j'ai sorti mes vidéos hier que l'image était vraiment pas belle. Enfin, elle était vraiment pas bien mise. Donc voilà, là elle est mise correctement. Donc... Aujourd'hui, on va jouer 60 argiles ensemble. J'en ai 160 au total, mais je vais en jouer juste 60 en vidéo parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc du coup, voilà, l'alchimie est là. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais attention que ça drop pas énormément. J'ai déjà joué quasiment 500 argiles, c'est pourquoi il est 1h38. C'est parce que j'ai joué bah, jusque maintenant en fait. Enfin, je jouais des argiles jusque maintenant. Et donc du coup, bah voilà. On regarde un petit peu, on va voir un petit peu s'il y a moyen de drop des choses. Donc là, ils sont tous SC3. A savoir que le plus intéressant, c'est ceci et le kit, évidemment. Bon, et ça commence super bien. En fait, vraiment, j'étais en train de désespérer parce que j'avais rien. Genre, je dropais rien. Genre là, en 100 et des, enfin, en 500 AM quasiment. Ben, j'ai pas eu de chance et je suis pas rentable. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être, avec un petit peu de chance, hop. Si je joue avec vous pour la chaîne des argiles, peut-être que voilà, c'est basé sur rien du tout. Ça c'est quoi en fait? Ok, ça a l'air OP de ouf. À savoir que ce genre de cost-là, je ne les prends pas parce que ça prend de la place et que ça ne se vend pas plus cher que ça. Donc, je préfère rejouer, tenter ma chance pour gagner un trône ou un truc comme ça, SS5. Donc voilà, comme ça vous savez pourquoi certains trucs je ne vais pas prendre. Juste les deux premiers ici, je vais les prendre. La perle précise, je vais la prendre. Ça se vend 10 000 en général, voire même plus. Donc c'est toujours ça de prix. Ça c'est une perle sécurité, c'est toujours ça de prix. Ça se vend 5 000 aussi. Bon voilà, j'ai déjà un peu plus de chance depuis que je suis avec vous. Je vous le dis vraiment, je commence à désespérer. J'avais envie de casser mon bureau tellement je ne dropais plus rien. Voilà, donc j'espère quand même dropper des meilleurs trucs, genre des trônes ou des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment le plus intéressant à drop. Le pain, par contre, là, je vais devoir en jeter. Hein. Regardez combien j'en ai dans mon inventaire ici. Voilà, j'en ai un peu beaucoup quand même. Sachez que je suis en train de mourir. Parce que je me suis dit, ouais, ça va. Je vais jouer 100 argile. Parce que j'en avais 100. Et puis après, c'est bon, quoi. J'arrêterai là. Puis au final, bah, je suis complètement tombé dedans. Parce que premier truc que j'ai fait. Enfin, les premières argiles que j'ai eu, que j'ai fait. Bah, j'ai eu un trône. Ce qui rembourse quasiment 100 argiles. Enfin, ça se vend 100 argiles quasiment. Donc je me suis dit, bah c'est cool. Et j'ai eu 2-3 petites couillonnades à côté. Donc je me suis dit, c'est cool, je suis quand même rentable. Ensuite, j'ai remis 80 argiles. Là, j'ai drop 2 trônes. Je me suis dit, punaise, c'est génial. Genre, 2 trônes sur 80 argiles, bah, c'est énorme. Enfin, ça me fait 120 argiles de bénéfice. Et puis là, j'ai fait une chute, les gars. J'ai refait 100 argile, j'ai rien droppé. Et je déteste en fait m'arrêter sur une défaite. Donc j'ai continué, j'ai refait 80 argile, puis encore 80, puis encore 80. Et finalement, ben, j'ai perdu énormément. Je suis quand même rentable en général sur les argiles, mais de très peu. Et il y a la dernière où j'ai fait que le dernier truc que j'ai fait, j'ai pas du tout été rentable. Et c'est là, ça a été la descente. À partir de là, c'était. Voilà. Donc pour le moment, bah, je suis malheureusement pas rentable. Encore une précise, c'est cool. J'aurai bientôt plus de place dans mon sac à dos de sprint. Voilà. Les précises, c'est cool. Je prends parce que ça se vendra peut-être 20 000. Hein, si ça remonte un jour à 20 000, ça peut être cool. Hop. Moi, ce que je veux surtout, c'est les SS5, les trucs SS5. Hein. C'est vraiment les trucs que je veux. Par contre, ça ici, j'aurais aimé que tu te lances quand je clique. Et ça, apparemment, c'est... Voilà, bref. Il faut savoir que ça, c'est énorme. Je ne savais pas, mais ça se vend très cher. Ça se vend quasiment 25 000, je crois. Si j'ai bien compris le prix que le mec m'a donné. Donc, si je le drop, bah, c'est le truc le plus cher, en fait. Donc, ça fait plaisir. J'espère quand même le drop une fois. Le plus 20, ça se vend pareil. Hein, 20 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est cool. Le plastron Omega, je sais pas. Dans les 10 000 à mon avis. Ok. Le poulpe se vend 10 000. Il y a pas mal de choses qui se vendent cher, mais le problème c'est que ça tombe très très peu. Comme vous voyez là, on a déjà fait plus de 30 argiles. Ben, j'ai quasiment rien eu. J'ai eu quelques perles précises. Oui, bon, ok. Si ça se vend, si ça finit par remonter à 10 000 unités un jour, ouais, ce sera rentable. Hein.
dans très longtemps, je serai. En fait, je suis rentable, mais le problème, c'est que c'est maintenant que j'ai envie d'être rentable. J'ai pas envie de devoir attendre 2 ans et demi pour l'être. J'ai pas envie de devoir attendre quelques mois pour pouvoir vendre mes trucs. Donc, ouais. C'est pour ça que je veux en fait des trônes ou bien un kit argile. Je n'ai pas eu un seul kit argile en tous les argiles que j'ai joué. Et j'ai un pote, il a joué 80 argiles. Il l'a droppé 3 fois. Vous voyez, c'est ça qui m'a foutu le seum en fait, surtout. C'est de voir que lui drop et pas moi. Enfin, qu'il drop comme un porc. Alors que moi, à côté, je suis là en mode bon. Bah. Super quoi. Donc j'espère quand même pouvoir drop un petit peu avec vous, parce que là pour le moment, bah vraiment c'est pas ouf. Je ferai peut-être une deuxième vidéo que je sortirai juste après en fait, où j'ouvre les 100 argiles. Pour pas faire une seule vidéo qui dure 3 ans et demi, vous voyez. Comme ça, voilà. Et comme ça vous verrez ce que je drop. Mais pour le moment, bah voilà, de nouveau. Hein, c'est pas ouf. 45 argiles. J'ai pas drop grand-chose. Encore du pain, encore du pain, évidemment. Je drop que du pain. Genre, j'ai eu des. Ça me rend dingue, hein, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de trônes au début, et puis plus rien, mais plus rien. Je suis descendu profond comme ça. Enfin, plus rien, entre guillemets. Parce que j'ai quand même eu ça. Enfin, j'ai. Ah, ok, ça c'est bien. J'ai quand même eu une pierre comme ça. J'ai quand même eu le plastron. J'ai. Voilà, mais à côté de ça. Si j'ai eu 3 plus 19 qui se vendent quasiment 10K unités, donc ça c'est très très bien. Mais je sais pas. Vraiment, quand je vois ce que j'ai drop au début, j'aurais dû m'arrêter au début en fait. Mais ça c'est toujours, hein, les argiles c'est un piège, hein, c'est comme ça, c'est de ma faute, je suis tombé en plein dedans, j'ai plongé dedans. C'est un piège, les argiles. Et regardez, j'avais presque pas de place dans mon sac, ben, j'ai rien rempli. Tout ce que j'ai, si j'ai drop en fait des trucs qui vont pas dans le sac, enfin qui vont dans le sac à 2 sprites. Forcément, ben, ouais, j'ai pas rempli mon inventaire. Mais voilà, j'ai pas non plus drop comme un porc. Genre, ça, à savoir que j'ai toujours été un mec beaucoup trop chanceux sur les argiles. En général, je me retrouvais avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Donc, ça, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je suis dégoûté, c'est que ma chance est partie. En fait, j'ai arrêté de jouer pendant 3 mois au jeu. Et j'ai repris là il y a 2 semaines. Et c'est une descente aux enfers. Pas du tout à ce point-là, mais c'est vraiment, j'ai plus de chance, je drop plus rien. Voilà, du pain et du pain, ça m'énerve. Bah voilà, on arrive en tout cas sur les dernières argiles, ça va très très vite, hein, comme vous voyez. Là, ça fait que 7 minutes. En fait, j'hésite limite à jouer les 160 d'un coup. Hein, parce que. On va faire ça, les gars. Hein. Je vais jouer, ça fait que 7 minutes. Je peux jouer, vas-y, vous savez quoi, je vais tout jouer. Je vais tout vous faire d'une traite, comme ça vous allez voir un petit peu tout ce que je vais drop. Mon pote aussi sur ses 80 a droppé 3 vio. C'est beaucoup, 3 vio. Il a droppé. Enfin, il a vraiment pas. En fait, il a trop drop. Ça me saoule, ça me saoule. Bref. Désolé si je parle un peu. Voilà, je suis un peu fatigué. J'ai la voix un petit peu en mode écrasé là. J'en peux plus. Je suis en train de décéder, mais j'ai envie de jouer des argiles. J'ai pas envie d'aller dormir. J'ai envie d'y croire en fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai envie de croire au fait que je vais dropper. Mais pour le moment, le jeu ne veut pas, il n'y a rien à faire. Genre là, depuis le début de la vidéo. À part si, comme je vous dis, les perles précises continuent à être à 10K unités. Ce qui risque de ne pas être le cas pendant un long moment, mais. Bah. Voilà. Une descente. Phew. On fera le calcul au total. J'aurais fait 700 argiles quasiment. Au total. Quelque chose comme ça. On va voir un petit peu ce que j'ai dans mon sac et si ça les valait. On va faire un petit calcul vite fait. Après, pour le moment, je vais continuer à faire mes argiles. Hop. On va prendre la moyenne de 320 par argile, même s'il y a moyen de les acheter à 300. Mais c'est la moyenne, entre 3. Non, putain! Putain, je viens de rejeter un truc que je voulais pas. Voilà, vous voyez, j'ai tellement pris l'habitude là de rejeter, de rejeter, de rejeter que je rejette tout. Pour me ramener du pain au final. Donc j'aurais pu me faire 5000 pièces d'or là en plus, mais non. J'ai rejoué. Faites pas la M, les gars. Je vais essayer de la sortir vite comme ça.
Vous êtes prévenu, ne la jouez pas. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ne la jouez pas. Genre, l'argile n'est pas rentable. Enfin, pour moi, en tout cas, elle l'a pas été. Si vous la jouez et que vous prenez le risque, j'espère qu'elle le sera pour vous. Mais le problème, en fait, c'est même pas tant que je ne drop pas. Le problème, c'est que je me suis fait hack il n'y a pas super longtemps. On m'a volé plus de 400 000, voire plus d'objets. 400 000 pièces d'or d'objets que je comptais vendre en plus. Et du coup, bah, je dois me refaire absolument. Je dois absolument récupérer des PO et tout. Et là, non. C'est la mort. Je fais. Le jeu, en fait, a décidé de m'enculer jusqu'au bout. Clairement, c'est le mot, je pense. C'est que le jeu a décidé de ne plus vouloir de moi. Là, je crois qu'il essaye de me rejeter. Là, le jeu, il est en train de me dire, arrête de jouer à ce jeu. Petite perle qui va dans mon inventaire du coup, puisque je suis full dans mon sac sprite. Je pense clairement que c'est le message que le jeu veut me faire passer. Malheureusement, je vais rejouer d'ici parce que je préfère jouer de gauche à droite. Malheureusement, comme j'ai dit, ces costumes-là, je les prends pas. Ça se vend pas assez bien. C'est pas. En fait, je préfère jouer et espérer dropper autre chose, même si pour le moment, c'est vraiment pas le cas. Hein. Vraiment, j'ai 0, 0, 0 chance. Mais je me dis un jour, peut-être ça passera. Qui sait, qui sait. Ça, ouais, c'est chiant, mais encore du pain. Il ne veut plus me ramener un truc, un bon truc. Il a du mal, hein. Il veut pas. Genre, c'est même pas. Là, c'est même pas en mode, il veut plus me ramener de bons trucs. C'est juste, il veut pas me ramener un truc. N'importe quoi. Il me ramène que de la merde. Une vie, enfin, putain. Enfin un truc intéressant, enfin. Ok. Ça me redonne un petit peu d'espoir, même si c'est pas une vie qui va valoir grand-chose, du coup, pour le coup. Elle va peut-être se vendre 10 000, là, de nouveau. Mais, ça me donne de l'espoir, je me dis, ah, peut-être. Peut-être que ça va relancer ma chance, vous voyez? Peut-être, continue comme ça. S'il te plaît, le jeu, continue à me donner de la chance. Bon, encore des. C'est bien en soi, parce que je me fais le plein de béné. J'en avais plus du tout. Donc là, ça me refait un petit plein de 33 béné. Ça vaut 1000 unités. Donc ouais, ça me rembourse sans argile. Avec toutes les bénés que j'ai drop. Mais est-ce que ça va valoir les 700 argiles? Malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Clairement pas que ça va les ça me rembourser quoi. Allez. Bon, ça. Ok, on a droppé que des 1. Bon, ça fait toujours 3 argiles gratos. Toujours ça de prix. Ça tombe pas souvent, hein. Ça tombe même très rarement, j'en ai moins que de trône en soi. Donc voilà. Encore du pain, encore du pain. Il ne veut pas me ramener un bon truc une fois laissé 5. Il me ramène que du pain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, n'importe quoi qui me ramène à laissé 5, à part le pain, c'est génial. Et c'est normal. Le but de l'argile, c'est d'avoir de la chance, etc. Mais le problème, c'est que quand vous enchaînez la malchance sur malchance sur malchance, ça va être bien. Putain, c'est la première fois que je l'ai. Je pense que ça va se vendre. Ça, il y a moyen que ça se vende très cher. C'est un truc absolu en plus. Je sais que les trucs absolus comme ça. Encore une fois, hein, que des 3. J'ai fait une cinquantaine aujourd'hui de surprises. Hein, j'en ai pas. J'ai pas de repas. Enfin, sur tout ce que. À chaque fois, j'en repais qu'une dans les surprises. Sur les 50 que j'ai fait, donc c'est un petit peu décevant. Ok. En fait, j'espère là qu'en vidéo, à un moment donné, il me reste 50, ok. Qu'à un moment donné, ça va me drop d'un coup plein de trucs. C'est ce que j'espère parce que j'ai envie de vous présenter un bon contenu, enfin des bons trucs en argile que. Mais là, je suis en train d'avoir le seum. Donc ceux qui n'ont pas drop comme moi, j'espère que vous avez un petit peu moins le seum. Et que vous dites. Je suis pas le seul. Trop bien. J'espère, franchement j'espère. Non, j'ai joué le pack. J'ai rejoué. C'est la deuxième fois que je me fail jamais en général.
Ok, il me le rend, ça c'est bien, merci. Ah, il m'a droppé 5. Ça va, il a été cool. Il a été cool en mode, tiens, t'as jeté des packs. C'est chiant. Donc je t'en rends 5. Ça me fait chier, j'ai rejoué des packs. Ok, une petite perle en plus. J'ai plus du tout de place dans mon sac, c'est horrible. Ça, je déteste avoir un sac rempli à ce point-là. C'est ma hantise, je déteste. J'aime bien quand tout est bien trié dans l'ordre. Mais bon, que voulez-vous quand on joue des argiles, c'est comme ça. Et j'avais pas envie de les jouer sur mes BL, parce qu'en général, c'est sur celui-là que j'ai le plus de chance. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Que du pain. Que du pain. Ou que du pain. Encore 45 argiles, ça va, parce que là, je suis en train de dropper des petits packs et tout. J'espère que ça veut dire, t'inquiète, bro. On te passe ça pour le moment et bientôt tu auras un énorme pack. Le pack des 100 argiles. C'est ce que je veux. C'est ce que je spire. Je l'ai pas eu une seule fois en 700 argiles. Alors que je me souviens qu'une fois j'avais eu une argile comme ça avec le pack et je l'ai eu 3-4 fois en 50 argiles. J'avais vraiment eu beaucoup de chance ce jour-là. Donc j'espère que je vais l'avoir quand même une fois. Le gros pack. Elle, fameux ce gros pack de 100 argiles, je vous les ferai d'un coup, je le rajouterai, je referai une vidéo si je le drop. Ou je referai 50 argiles, tout simplement, avec vous. Enfin, 100 argiles plutôt. Mais il faut le drop. Il faut le drop. Alors, si tu veux bien. Les sécu, le problème des pains sécu, c'est que bah, ça se vend très très peu en fait. Encore du pain évidemment. Ça se vend vraiment 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 peu et. Voilà. Les précis, à la limite, c'est encore recherché. Dès que quelqu'un recrée un personnage, s'il a plus de précis avec lui, bah, il va en acheter une, forcément. Mais, ouais, non, non, non. Clairement, les sécures, en général, les gens balayent, balayent, balayent. Ah là là. Ça a arrêté de drop. Voilà. On avait commencé à drop pas mal d'argile, etc. Et puis, d'un coup, là, rebelote. Hop, plus rien. En plus, les argiles, c'est un truc qui passe au-dessus dans l'annonce. Donc, c'est en mode, c'est bien, c'est génial. Mais, non. Ok, ça, c'est pas mal. Ça me fait 5000 PO, écoutez. Toujours ça de prix. Ok. Du pain hein, de nouveau, on s'en fout. Encore du pain de toute façon, on a l'habitude maintenant. En fait, le pain c'était bien à partir du moment où j'en dropais 100, vous voyez. J'en ai dropé 100, mais après, ça commence juste à me rendre dingue. Complètement dingue. Allez, 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 encore du pain. Et je. Quoi? Si, j'ai encore des argiles, j'ai eu peur. Oh, ça c'est bien, des plus 18. Ça fait 10 000 PO. C'est très bien, ça, c'est très très bien. Ça me fait quand même 10 000 PO, ça se vend 5 000 en général, unité. Donc c'est bien. Non, c'est très 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 bien. Je suis très content de les drop. C'est mieux que rien, on va dire. Allez, allez, un petit pack, s'il te plaît. 200 argiles ou un petit trône, histoire de pouvoir racheter. Non, du pain. Du pain et raté. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Mais non, mais par contre, vraiment, quand j'appuie sur rejouer, tu. Voilà. Raté, très bien. Raté, très, très bien. À l'essai 2, hein, je rappelle, au cas où vous auriez pas compris, mais c'était l'essai 2, là. Ils ont raté tous les deux à l'essai 2. Bon. Voilà. Encore une fois, voilà. Allez, s'il te plaît, trône, 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 trône. Trop nous quitte du pain. Évidemment. On peut pas trop lui demander, ça sert à rien, les gars, prenez pas. Hein. Clairement, ça se chope dans des donjons, donc on s'en fout. Ça c'est bien, hein. Écoutez, ça me fait 3000 PO, ça reste potable. Ok. Allez, allez, allez. Encore 3000 PO. Ça me va quand il me ramène ça. Parce que je me dis, c'est 10 argiles à chaque fois qu'il me rembourse. Quand il m'en passe 3, c'est 10 argiles quasiment. Donc,
Et je me dis, putain, c'est génial, 10 argiles de plus. Mais bon, voilà. Ah, ils ont tous raté là. Ah ouais, chaud. Allez, 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 s'il te plaît. Ça sert à rien, je crois pas non plus. Ça se vend très très peu. J'en ai eu pendant quasiment 2 ans dans mon inventaire sans que personne m'achète. C'est vraiment rare quand les gens achètent, hein, donc prenez pas. Ok. Ok, hop. Là on est C5, tétatrone. Non, raté. Ça, de nouveau, je vous ai dit, je ne prends pas. Donc là on était C3, ok. Là il a raté C4. J'ai plus d'argile. Ok, bah voilà. On arrive sur le dernier argile. J'ai rien drop de fou, les gars. Je suis désolé, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien eu. Bref, on va regarder un petit peu. Alors, je vais prendre mon téléphone pour faire la calculatrice. Hop. Donc, on va prendre, à part comme ça, on va faire de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, on a eu ceci. Ça, c'est 5000 fois 6. 5000, pas 5000 fois 6. Voilà. Donc, je prends les prix en général, hein. La sécu, ça doit être 5000 plus 5000 fois. Ça, j'en ai eu. Attendez que je regarde. Une. 2, 3, 4 fois 4 est égal. Voilà. Ça, on va dire les perles comme ça précises, on va dire 10 000. Puisque en général, c'est ce que ça se vend. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 70 000 du coup. Ok. On repart ici. Ici, ça, c'est plus 30 000 PO. Ici, 38 000 plus 30 000. 8 000 PO. Ça paraît beaucoup, les gars, mais vous allez voir qu'au final, c'est pas tant que ça. Plus celle-ci, on va dire 15 000. Je pense que ça peut se vendre 15 000 PO. Voilà, aujourd'hui, ça va vachement diminuer, mais voilà. Ça, je sais pas du tout. Les costumes comme ça. Donc, ça, je sais que ça va se vendre plus ou moins 1500 fois. J'en ai droppé une. On va compter tous ces costumes-là aussi. Donc, parce que c'est des new Kratos, donc on va faire x 3. Ok, hop, donc on compte pas ça. Ça, c'était, je l'avais déjà et tout, on s'en fout. Tac, 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 tac. Ça, j'aimerais bien voir combien ça coûte. Attendez. Flé. Non. Comment est-ce que ça s'appellerait? Où est-ce qu'elle est? Là. Formule. Oh la vache, je suis perdu. Absolu 35 000. Ok, on va dire plus 30 000. Ok, ça va. Ça va, ça c'est pas mal. Je suis content d'avoir droppé ça pour le coup. Voilà, plus donc tac tac tac. Ces petits costumes là, c'est des costumes quoi? D'eau? C'est des costumes d'eau. Les costumes d'eau se vendent 1500. Même pas. Même pas 1000. 1000. Ok. Fois, on en a drop 1, 2, 3, parce que j'en ai jeté beaucoup aussi. 4 fois 4, ok. Fois 4, ensuite ceci, ça se vend 15 000. 15 000 plus ça c'est 10 000 unités, donc plus 30 000 est égal. Voilà, ok. Donc là, on a le total de ce qu'on a drop. J'ai drop aussi un petit plastron que j'ai mis en archive, mais que je compte vendre. 30 000. Voilà. Donc, sur 700 argiles, eh bien, en fait, je suis rentable. C'est chaud, parce que quand on voit combien j'ai mis d'argile là et ce que j'ai eu, etc., on ne dirait pas comme ça. Mais si je vends tout dans quelques mois, je suis rentable de quand même 300 argiles. On ne dirait pas. Mais vraiment, je suis rentable de 300 argiles. Attendez, je vais regarder les prix actuels. Mais à mon avis, précis. Ouais, à mon avis, ça a vachement bien baissé. Voilà, ça, les gens les vendent 7500 unités. Mais ça va augmenter. Donc ça, je ne m'inquiète pas trop trop. À mon avis, les CQ valaient déjà pas grand-chose avant, hein. Donc ouais, 4 000 unités.
Pas étonnant. Donc voilà, il va me falloir un peu de temps avant de pouvoir tout vendre. Hein. On va regarder un petit peu aussi les armes actuellement, comment elles se vendent. Ça, c'est une arme méca, une main, 30 000. Eh ben putain, je m'y attendais pas. Franchement, si j'arrive à l'avoir plus cher que prévu, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est pas celui d'aujourd'hui. Hein. Non. Donc, ouais, il n'y est pas. Donc, à mon avis, il y a moyen même de tirer un peu plus, d'en tirer un peu plus que ce que j'ai dit. Ok. Ça, laisse-toi tomber, ça ne se vendra pas maintenant. Ça, je pourrais peut-être le vendre. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai quand même été rentable finalement. Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment avoir perdu beaucoup de PO. Finalement, j'ai quand même été rentable, mais franchement, je m'attendais à être quand même vachement plus rentable que ça. Bref, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bye.